Aujourd'hui, nous allons fabriquer une petite pelle à sel. Alors, vu que c'est un petit diamètre et que moi je n'ai pas de mâchoire assez petite pour faire la fabrication de la pelle, là je vais mettre directement le carrelé sur le tour. Là je vais juste écarrir un peu que ça soit un peu plus droit et je vais pouvoir le fixer directement sur mon mandrin. Donc une fois fixé sur le tour, on va pouvoir commencer à faire les tracés. Donc j'ai besoin de 28 mm de diamètre au niveau de la cuillère et à peu près 7,5 cm de longueur. Après vous pouvez faire des pelles beaucoup plus grosses comme pour la châtaigne, le sucre, le café. Et nous aujourd'hui on va se baser pour celle du sel. Donc là, on a nos deux extrémités de creuser. Maintenant, je vais faire un diamètre de 2,8 cm. Donc là, vu qu'on est quasiment à diamètre, c'est-à-dire 2,8 cm, je vais utiliser un nouvel outil qui s'appelle une plane. Donc la particularité de cet outil qui est extrêmement tranchant, donc on peut le voir, hein, il est biseauté de chaque côté, c'est qu'on n'a quasiment plus besoin de poncer. La pièce ressort quasiment nette et lisse. Donc là, on peut voir la pièce. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo. La pièce, j'ai pas de trait de coupe, j'ai rien du tout. C'est vraiment quasiment lisse. Donc il suffit d'un léger ponçage de finition. Donc là, on va avoir un creusage qui fait à peu près 4 cm de profondeur. Donc la pelle fait à peu près 4,5 cm. À 4,8 cm. Donc on va pouvoir commencer à la façonner. Donc
Donc là, il va avoir la partie du manche et la partie qu'on va creuser après, qu'on va poncer pour enlever une partie du dessus pour pouvoir avoir cette forme de pelle. Donc là, il y a différentes possibilités. Soit vous prenez un fourré pour percer droit, soit on le fait directement à la gouge. Moi, je le fais directement à la gouge pour cet essai-là. Alors là, une fois creusé, essayez de faire un beau petit tunnel, partez pas trop en vague, et ensuite on vient poncer l'intérieur. Alors une fois réalisé la forme, le creusage, moi j'aime bien faire des petits liserés noirs dessus. Donc je vais prendre un outil juste pour commencer à trancher légèrement. Hop, et on va en faire un là. Le fameux fil de fer. Donc une fois réalisé, alors on a deux possibilités, soit on le coupe à la scie à ruban, légèrement avant de poncer, soit on le passe directement à la ponceuse à bande. Moi je vais le passer directement à la ponceuse, vu que c'est assez fin et assez petit, ça va s'enlever de suite. Donc là, une fois poncé, on va pouvoir enlever un peu les bavures. Petit papier de verre avec un grain assez léger. Donc une fois poncé, on peut remarquer que c'est assez fin, hein. Sur le bout, ça doit faire 1 mm, 1,5 mm grand maximum avec la coupe de biais. Donc on a creusé assez profondément, on a poncé, elle est quasiment finie, il reste plus que le produit de finition. Alors pareil, vu que c'est destiné à l'alimentaire, j'utilise une cire complètement alimentaire et sans produits chimiques.
Donc voilà, l'appel à sel est fini. Donc vous pouvez avoir plusieurs modèles, plusieurs grosseurs et plusieurs tailles. Donc celle-ci est un peu plus longue, celle-ci est un peu plus courte. Après nous on a ce qu'on appelle les pelles à café ou les pelles à sel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me commenter et à vous abonner. À bientôt.